Eh bien bonjour tous les amis, aujourd'hui sur Rush Games, on se rend dans une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc voilà, maintenant Clash Royale, je sais, je n'en fais plus beaucoup parce que je dois faire des présentations tout simplement. J'ai des petites présentations à faire. Normalement, il y en aura bientôt une demain, mardi ou un truc comme dans le jour. Voilà. Donc en fait, moi, il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un mois, non un peu moins d'un mois, je fais mes vidéos à l'avance parce que avant je faisais mes vidéos, hop je les mettais et du coup j'avais plus de plaisir, tu vois. Donc du coup je me suis dit je vais attendre. Donc là cette vidéo que vous allez voir va sortir dimanche et je la tourne vendredi, dimanche je crois, je suis pas sûr, ouais si dimanche. Donc du coup les gens, c'est parti pour un petit combat. J'ai assez blablaté. Donc du coup, on va faire trois petits combats avec un avec ce deck, l'autre avec ce deck et l'autre avec ce deck. Donc du coup, c'est que des decks cool qu'on m'a conseillé. Celui-là, c'est un deck spécial défi. Par exemple, le jouer épique ou quoi. Ça, c'est spécial légendaire, donc celui-là, j'y touche pas, voilà. Donc, on va commencer avec celui-là. Let's go, on va tout simplement faire des combats 2 contre 2. Parce que je préfère, comme ça je perds pas de trophées. Les combats en contre 1, j'en fais plus. Ouais, je fais plus trop de combats en contre 1. Mon dernier, c'était il y a 4 jours. Donc voilà quoi. Moi, ouais, du coup, je lance un cimetière. Pourquoi pas hein. Qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que. Oh là, il y a. Ouais, nickel. Là, il y a vraiment un truc pas mal à faire. Surtout avec le cimetière. Ouais, ça, on peut gratter le cimetière. Pas beaucoup, mais bon, c'est l'essentiel que ça gratte. Hein. Parce que quand ça gratte, c'est toujours mieux que quand ça gratte pas. Ok, on va laisser la petite TDE. Comme ça, moi, je pourrais lancer mon ballon. On est nickel. En plus, ce deck, je crois qu'il coûte 3,8 ou 3,9. Je suis pas sûr. Mais il est très bien. Franchement, c'est le bonheur. Si tu veux faire un deck pas trop cher, mais bien pour gagner. Il n'y a pas de carte extrêmement fort. Il y a juste quoi. Bah, il n'y a rien de très fort. Hop. Il y a le cimetière qui est une carte plutôt forte. Il n'y a rien d'autre en fait. C'est que des cartes pas très fortes mais qui font l'affaire pour défendre, pour attaquer. Par exemple, le méga chevalier. Ah oh, putain, il a pas mis de couleur. Bon, on s'en fout. Ok, ici moi je me lance un cimetière, de toute façon j'ai les abs, mais les gargouilles, on est nickel. Ou même si... Voilà, comme ça on est sûr de tout défoncer. Voilà, on prend pas la tour, merde. Ah oh, si, on la prend, nickel. De l'autre côté, mets ton truc, nickel. Alors, j'ai dit beaucoup de le mot nickel, mais bon. C'est la vérité, on est au top, on est nickel. Allez, j'arrête. Bon, est-ce qu'il défend la sorcière? Défend. Oui, oh, c'est bien joué ça. Ça part nickel. Ah putain. Bon, si on prend la deuxième tour, on est tranquille. Parce que là, moi, si tu veux que je te dise un petit truc, je suis pas. Ok, là, nickel. Ça. Non! Oh, ça va. J'ai eu peur. Oh non. Ah, oh, nickel, ça va. Ça fait pas de dégâts sur la tour, non. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Oh putain, ça m'a tout niqué, ça. Hop, ici, ça. Ok. Pas trop de trucs sympas à faire. Hein. Putain. Ah, putain. Bon, en tout cas, ce qui dit qu'on a gagné, donc on aurait pu prendre la deuxième tour. Mais on a gagné, c'est l'essentiel. Let's go! On a gagné le premier combat, pourquoi pas le deuxième et pourquoi pas le troisième? Voilà quoi! Bon. Moi je donne des cartes. Hein. Aussi, rejoignez le clan The King. The King X-Man. Voilà, je sais pas comment on dit. Rejoignez-le, on a 42. Bon, des fois il y a des exclusions, je sais pas où, mais des fois il y en a un peu. On s'en fout. Rejoignez-le, il est super. Voilà. En plus, on fait beaucoup de garde-clan.
Là, on est en train d'en faire une. Voilà. Donc, let's go. On va prendre le deuxième deck. Voilà, ce deck-là, il est plutôt pas mal. Ce deck-là, il y avait ça. Le troisième. Voilà. On va prendre celui-là. Et c'est parti. Let's go. Je sens que ce combat-là va être serré. Je le sens. Alors. Déjà là, ça commence un peu bien. Ok, ça commence mal. On s'en fout. Ah non, j'ai pas assez d'élixir pour mettre mes gargouilles. Ah, ça va. En plus, lui, mais le sien, nickel. Comment on va. Oh, ça va, lui, il a beaucoup d'élixir. Putain, mais c'est quoi son deck à la noix, lui, là? Qu'il a? Oh, et tu vas te calmer, hein? Tu vas faire un meilleur deck, hein, mec. Mais c'est quoi ce deck? Il a que des petites cartes, quoi. STP, non, mais aidez-moi! Bon. Oh, ça va, non, ça va, il gratte pas. En revanche, nous, oui. Oh non, j'avais trop envie que ça touche. Bon, on s'en fout. On va mettre le poison comme ça. Oh non, putain. J'aurais dû toucher les trois. C'est pas grave, ça gratte un peu. Nickel. Ça, c'est nickel. Le ballon, du coup, non, qui touche pas, qui ne touche rien. Du tout, alors. Nickel. La sorcière qui gratte. Y a pas de trucs qui peuvent être. Voilà. On peut. Est-ce qu'on peut prendre la tour? Non, mais en tout cas, on gratte, hein. La petite princesse qui fait bien l'affaire. L'affaire dans le. Oh! Ok. Le non-respect des flèches, tu sais. Le truc, ça fait flou. Il n'y a plus rien. Ok. Ça, on va se mettre ça. Ah, du coup. De toute façon, il a la bûche. Donc, dans tous les cas, on prend la tour. Voilà. Même. Oh, il avait un petit free shot. Je sais pas de ce quoi c'était. Putain, je voulais mettre de la Valkyrie, c'est un 1000 dragon. On s'en fout. Ça ne touche pas. Ici, on met une Valkyra. Alors. Non, mais c'est bon. On a gagné. C'est bon. On s'en fout. Maintenant, on a gagné. On ne peut plus revenir en arrière. On a gagné. Non, c'est vrai, mec. Même si je le laisse attaquer à mort. Et alors, même j'ai envie que d'attaquer là, le mec il ose pas quoi. Il se dit non. Voilà, là je pense plus carte. Parce que je sais qu'on a gagné. Ah. On a gagné le deuxième combat plus que le troisième. Si on gagne le troisième, ça serait pas mal. Voilà. Celui-là, il est très bien de deck. Il est bien. Parce que pour accompagner le ballon, il y a le sorcier, il y a la sorcière. Pour geler les gargouilles et pour que le sorcier. Bon, il y a tout. Hein. Il y a vraiment tout. Par exemple, si tu attaques et qu'il y a les gargouilles et toi que t'as un sorcier où il y a beaucoup de gargouilles, tu mets le gel. Le sorcier, il défonce tous les gargouilles et le ballon, il passe. Et il détruit la tour avec le sorcier qui passe derrière et qui lance ses boules de feu. Voilà. Mais je sais pas si vous avez compris parce que je parle pas très bien la France. Ok. Oh, il est pas très fort son deck. D'accord. Mais ton sorcier! Putain, mais il m'a fait poser le. Bien pour rien, mais putain, il sert à rien, lui! Oh non, attends, mais j'ai une. Je m'en. Petite armée de squelettes. Oh! Oh! Double sorcier. Oh putain, on prend la tour. Calé, calé. Ben moi, je vais mettre une rage. Pourquoi on me pose toujours les. Une carte. Bon, ben, je crois qu'on a gagné. Hein, c'est officiel. Enfin, pas encore, mais on a gagné. C'est officiel, là, mec. Putain, mais j'ai gagné tous les combats. Putain, mais non, mais termine pas. Oh putain, mais. Oh, le mec japonais ou chinois, je sais pas c'est qui, mais il est. Waouh, mais va te faire soigner, quoi. Enfin.
Au bout d'un moment, appelle les secours, moi je peux plus rien faire pour toi. Mais non! Je gèle pour que les gobelins défoncent. C'est pas grave, bon. Mais. Où con? Où? Ouh là, il y a un truc qui arrive là sur la tour, hein. Putain, il va me défoncer avec son cimetière. Mais bon, on gère, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Tout le monde a peur. Alors ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Et ça, je l'ai fait. Bon, du coup, en fait, j'ai tout fait. Donc, les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça ferait toujours plaisir. C'était Rudy Games. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!